Tipoui. Bien. Bien, 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 bien. Tu voulais un malo. Je ne sais pas. Quoi on fout. C'est ça. Tu vas bien. Toute première étape de l'emménagement, mettre en place un bureau. On a abîmé le camion, on a perdu masse d'argent, on ne sait pas du tout comment on va s'en sortir. Vous allez nous sauver, mais ça on ne le sait pas encore. Mais il faut un bureau pour que j'arrive à faire les choses. Et du coup, c'est le premier truc que je fais et on voit que Cosima m'aide énormément. C'est différent. Ah! Tu me laisses le faire un peu pour YouTube. Ça sent le goût. Je sors des trucs artistiques de la caméra. Thank you.
Eh bien, on a un tasseau gratuit. Hey là. It's up. On casse tout et on finit. Là, oui, les trucs sont pas bras. Comme d'habitude. Non, les calculs sont bons. Changement de corde après que les cordes initiales qui étaient en chanvre et cassées. Au bout de 2-3 mois, on a entendu un bruit monstrueux pendant la nuit et toute la bibliothèque était au sol parce que les cordes n'étaient pas capables de soutenir autant de poids. Donc là, on passe sur une corde qui est capable de tenir vachement plus, qui est moins belle. Ce qu'on est en train de fabriquer, c'est une échelle pour poser des objets qui va être coincée en force entre le plafond et la baignoire. Du coup, j'utilise des morceaux de liège pour pas abîmer le plafond et avoir ce côté un peu moelleux qui va nous permettre de rentrer en force. Mais c'est pour ça que tu mets plus de temps que moi, c'est que toi t'en mets vachement moins. Oui, bah moi j'ai blindé. Voilà. J'ai failli me filmer, genre arrivant dans le castot et dans le castot. Ah. Probablement être tout pourri, mais. We'll try! Après, je peux peut-être la poser direct dans le lavabo. Non. Ah, je suis allé profondément. Là, je me suis retiré un peu vite. Des fois, ça s'enfonce. Des fois, ça ne s'enfonce pas. Ok. Cool, cool. Bon, on a dit qu'on posait pas des trucs dessus tout de suite, mais ah oui, merci. Je les enlève. Voilà. Je vois le cam. Quelle insulte. Bien. One done, free to go. J'ai vachement bien scié la première. Ça veut dire que si je mesure de l'autre côté ou que je retrace, je peux peut-être rééquilibrer. Je croyais que tu allais taper sur internet. Votre copine vous dit que c'est pas gênant si c'est de biais. Que dois-je faire? Oui, je sais. Au lieu de reposer sur un côté, il va techniquement reposer sur une arête. Oui. J'ai l'un. Je vais pas le montrer à la caméra.
Mais ouais, mais j'ai pas une caméra de youtubeuse, moi. Il faut que je fasse ma mise au point. Fun fact, j'ai utilisé ce rapporteur d'angle à l'envers pendant presque tout le projet. Donc là, c'est peut-être pas évident, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais censé acheter des tasseaux qui faisaient 2,40 m de longueur pour avoir de la marge, et ceux-là font 2 m, donc il y a deux tasseaux qui sont trop petits. Donc il a fallu trouver une solution créative. Et je crois que je tiens mon truc à l'envers depuis le début. Ok, bon, les trucs vraiment dangereux, c'est fini, je crois. Ok, bon, c'est parti pour les trucs compliqués. Donc, je dois percer droit là-dedans. J'ai l'impression d'être dans un documentaire. Pourquoi? Parce que je suis à la caméra et je fais des zooms dramatiques. Mais mal fait. Non. Non. Ouais, on s'attaque au truc rigolo. On peut vérifier ceci dit. Voilà. Wonderful! Tada! Alors, certes, le fraisage ressemble pas trop à ce que j'avais designé moi. J'avoue que l'espèce de double trou avec l'impression qu'il y a un T-Rex qui a décidé de fractionner le truc, c'est pas tout à fait ce que j'avais designé. Avoir peur. Enfin, surtout le nombre de fois où j'ai fait ok, il faut mettre celui-là avec celui-là, où je vois le tasseau qui fait oui, là, 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 et moi je suis en... Ah, mais non, c'est pas les bons tasseaux. Ah, c'est pas les bons tasseaux. Ah. Voilà. Détendez-vous pour l'opération. Monsieur Stein, tout va bien se passer. Thank you.
on a pété le machin. Et en essayant de rajouter une équerre pour que ça soit moins pété, ben on a encore plus pété cette saloperie. Voilà. Oh, un petit bout de poil là, quelque part. Quelque chose comme ça. Je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de tout refaire. Et là, clairement, ça tient plus assez quoi que ce soit, quoi. Je peux le bousiller juste en forçant un peu dessus. Bon, si saute un petit bout qui irait là, avec nos chutes. Avec la Dremel, je le sculpte pour rentrer là. On le reforce, on le scie ici, et on reperce en 10. Et après, on est bon, en théorie. Est-ce que vous avez trouvé un meuble Ikea? C'est du carton! Avec du bois, des endroits stratégiques, et du coup c'est clairement pas recyclable. Techniquement le carton c'est recyclable. Oui, non mais... c'est pas recyclable pour nous, wesh. Alors l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire des portes de tiroir toutes fines. Avec ça. Ouais, du coup on va utiliser... un des tasseaux de 34-93 qu'on avait prévu pour la salle de bain, pour les étagères de la salle de bain. Et on va l'utiliser pour le cadre, vu que c'est les mêmes que les trois autres du cadre. 4. Comme on peut le voir sur ces images, le montage en fait du cadre du lit dans un espace hyper restreint où tout a été calculé hyper proche pour avoir le maximum de place utilisée en fait, bah, il se trouve que pour visser toutes ces vis, etc., bah, les murs, le plancher, tout nous emmerde en permanence. On va s'en sortir, mais ça n'a pas été évident. Au moins 250 erreurs là-dessus. C'est fini les erreurs. On a réussi. Je ne bougerai pas. Non. 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 Tout va en dessous, Fred. Non, tout va à volo.
Bon, le problème, c'est qu'on a un jour là qui est du fait que genre les trucs qui sont pas d'équerre. Ce qui est nul. Mais je vais essayer de rectifier ça avec de la ficelle. Comme ça. Ouais, attends, je mets de la lumière. T'es content? Et là, avec un peu de chance, on a réglé notre problème. Ça n'a pas réglé le problème. Donc il y a encore un problème, et ce problème, c'est que j'ai mal calculé la hauteur des portes de tiroir. Du coup, elles rentrent les unes dans les autres. Et il a fallu scier le bas de toutes les portes de tiroir pour que ça puisse se mettre bien comme il faut, les unes en dessous des autres. À bricoler toute seule dans le silence, j'ai l'impression d'être le gars avec son couteau dans la cuisine. Dans la forêt ? Ouais. Ah, il n'y a plus de batterie. Night falls on the forest, but our little goblin is still working to build her home. Putain, it's fucking sturdy. Oh, j'aime quand c'est sturdy, bordel. Oh. Très sage, 0 sur 20. Ok, t'as repéré la coquette. Super. Hop. Oui, d'accord. Ah, maintenant elle est là. Trahison, disgrâce. Par-dessous, on appuie. Ouf.
Ta-da! Pas du tout. Très bien. Mais non, c'est pas bien. Bon, on bouffe autant de matière? Bah, on a 3 mm hein, de mèche. Donc, C'est à la fois trop petit et trop grand. Ouais. Quand je perce correctement les deux. Aïe. Pourquoi il y a une enveloppe à l'intérieur? C'est un easter egg. Il y a un easter egg. Coucou chaton, ce packaging a été réalisé avec soin et amour, spécialement pour toi, par moi-même et mon chat. En te souhaitant plein de courage pour la fabrication de ton meuble. PS, pour petite histoire, ces tubes de carton 100% recyclés sont à la base des mandrins conçus pour enrouler les bobines de papier industriel. Des bisous à vous et à bientôt, Sève. Il y avait un easter egg dans les cartons! Le quadrille est plus grand. Bah oui, mais... Le quadrille est plus grand, Kevin. Comme ça, c'était vachement mieux le tasseau. Ok. Je vais te donner un gros coup de cul dans le réflexe.
Thank you.